Ensemble, on en a fait des kilomètres. C'est un peu long, puis en ce moment on n'a plus de motivation. Le tout premier numéro de la soirée vous sera présenté par un étudiant de deuxième année en technique d'éducation spécialisée, en plus d'être appariteur au pavillon d'activité physique et entraîneur de l'équipe des Atlas Rocket League. Pour lui, la musique est rassembleuse, chaleureuse et s'exprime d'elle-même. C'est avec passion et fierté qu'il vous interprétera une de ses compositions. Voici le gagnant de la finale locale de CGP en spectacle 2023, Frédéric Turcotte. Ce soir, je vais vous présenter une de mes compositions qui se nomme Westphalia. Euh, moi, dans le fond, j'ai vraiment eu la piqûre pour la scène quand j'ai fait, ces tu sais, je pense, spectacle cette année. Euh, j'ai gagné les finales locales puis j'ai pu présenter encore mes deux compositions euh, à la finale régionale. Euh, au niveau des inspirations de la musique, les Cowboys Fringas ont vraiment été une grande inspiration. Emile Bilodeau, Jay Scott, Karim Ouellet aussi. Euh, toutes des artistes, Rosie Valanco aussi. tous des artistes d'ici. Que j'apprécie énormément, qui m'ont vraiment donné le, le petit coup de pouce pour faire de la, de la scène. Et euh, je pense que mon expérience, tout a commencé l'année passée quand Patrice Michaud était venu faire une entrevue ici. J'étais allé le voir à la fin, puis il m'avait m'avait expliqué un petit peu la scène, puis que la musique. Il m'avait dit que la musique se défend d'elle-même, donc on n'a pas besoin d'expliquer. Ça, ça m'a vraiment fait le déclic comme moi aussi, j'aimerais ça faire de la scène plus tard. Et me voilà. Puis je pense que l'intermède, puis le cégep de, de Victoriaville, en fait, qui donne ces opportunités-là, c'est une, une très belle chose. Ses amis la surnomment Mademoiselle Karaoke. Elle travaille au Cégep depuis plus d'un an comme technicienne en administration au service des finances. Elle est heureuse de pouvoir faire un retour sur la scène du Grand Auditorium, elle qui a participé à deux reprises au concours Cégep en spectacle jadis. Elle nous interprète deux chansons ce soir. Voici Dominique Morin. J'avais étudié ici euh, il y a plusieurs années euh, au Cégep, puis euh, à ce moment-là, j'avais déjà participé à Cégep en spectacle. Puis euh, ce qui m'a donné envie de, de recommencer ce soir, euh, je voulais vivre l'expérience autrement de, du temps de ma jeunesse à maintenant, aujourd'hui, en tant que femme euh, plus mature, plus confiante. Euh, c'est ça. J'avais envie de voir le, de connaître le feeling de ce que ça faisait, euh, tout ce changement-là. Puis, je vais interpréter euh, deux chansons. La première chanson, c'est une chanson qui vient d'une euh, comédie musicale, Grace, que j'ai écoutée euh, souvent, 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 dont une chanson de Olivia Newton-John, euh, O. Devoted to You. Puis la deuxième chanson, j'ai choisi une chanson de Andréane Amalette. On est vraiment dans un autre registre. Euh, ça s'appelle Les cons, un petit peu plus euh, humoristique. Le prochain artiste est animateur d'activités sportives et socioculturelles au pavillon d'activités physiques du Cégep de Victoriaville. Des tests psychométriques ont démontré qu'il est quelqu'un de rationnel, social et artiste. En réalité, il est un être hyper social solitaire avec un sens de l'humour un peu déjanté. Il est musicien multi-instrumentaliste autodidacte, jouant principalement pour le plaisir. Applaudissez le seul et unique Dominique Bouchard-Pinard! <applause> j'ai décidé de m'impliquer dans ce spectacle là parce que moi quand j'étais euh, au cégep pour le bout que j'ai fait au cégep j'avais appris une chanson euh, qui était dans le film Kill Bill 2 à la fin et euh, c'est une chanson espagnole que j'ai jouée au fil au fil des années euh, dans des soirées tout ça et euh, je suis reconnu pour cette chanson là et puis euh, j'avais envie de m'impliquer dans le spectacle pour euh, que la roue tourne et que finalement je puisse faire au cégep cette chanson là en spectacle en m'impliquant avec euh, avec le spectacle à là, pour créer aussi un, un sentiment de communauté employée et euh, communauté collégiale. Euh, c'est super le fun, on est une belle gang, c'est des, euh, des artistes variés, puis on va offrir un spectacle qui est, euh, qui est euh, sympathique, on va dire, parce qu'on n'est pas des professionnels, mais on est là pour s'amuser, puis euh, je pense qu'on y prend plaisir. Et euh, moi, personnellement aussi, j'ajoute une touche d'humour... Euh, de là mon accoutrement actuellement, qui est supposé être un accoutrement mexicain, mais qui fait « cowboy » un peu bizarre. Mais euh, ça fait partie du spectacle, puis euh, je pense qu'on qu va s'amuser. Cet étudiant en arts, lettres et communication, profil cinéma et littérature, se passionne pour la langue française. Originaire de la campagne, il vous partage aujourd'hui une partie de sa vie dans une prose légère et poétique. Accueillez lucas joannette Amel. Je fais un slam d'inspiration poétique. C'est un texte original que j'ai écrit, une sorte de monologue que je vais lire sur scène. Celui-ci va parler des arbres de la forêt québécoise. J'ai mêlé à ce texte-là qui raconte un peu euh, la campagne, puis euh, la campagne dans laquelle je suis né, avec beaucoup de figures de style, avec beaucoup de jumeaux euh, entremêlés de, de tout ce que je dis puis du propos que j'ai. Je suis très reconnaissant envers le CGF de Victoriaville de me donner la chance de refaire une autre apparition sur scène encore, de rencontrer des gens qui partagent la même passion que moi. Cet étudiant international est originaire de Nice, en France. Il est venu au Québec pour jouer au football à un niveau supérieur. Ses principales passions sont le sport et la musique. Dans sa famille, tout le monde joue d'un instrument ou chante, comme son grand-père qui a fait de la musique son métier. Il a tout appris de lui et de sa mère. Voici Léo Gauthier. Ce soir, je fais une interprétation de un medley de Life on Mars et Starman de David Bowie. Euh, j'ai choisi ces chansons parce que j'aimais bien la partie couplée de Life on Mars et le refrain de Starman. Du coup, j'ai essayé de mélanger les deux et ça a marché, normalement. Donc, euh, je suis content j'aime beaucoup ces chansons. Par rapport à l'espace, tout ça, je trouve ces chansons, il faut rêver, donc j'aime beaucoup. Puis voilà, je fais une dédicace à ma maman, mon papa et mon papy, <laughs> tous des musiciens, et mon grand-père un, un très très beau chanteur. Euh, bah, je suis venu étudier au Québec pour euh, jouer au football, en fait. Euh, J'ai des meilleures opportunités, je peux aller à l'université pour jouer au football. Donc euh, voilà, donc, je suis allé en langue. Euh pour euh, améliorer mon anglais et tout ça. Et puis je vais continuer en études du sport à l'université. Donc euh, ça me fait plaisir d'être là. <laughs> Merci beaucoup. Membre de la cohorte 2021-2023 du programme de cinéma et littérature, cet artiste tente de mettre en valeur la beauté du monde à travers différents médiums comme la musique, les arts visuels et la poésie. Toujours engagé dans mille et un projets, vous l'avez peut-être déjà croisé au local de la Frippe ou en train de travailler sur Sauvagerie de campagne, la troisième édition de la revue La Chalet qui sera bientôt publiée. À travers quelques-uns de ses poèmes, laissez-vous plonger dans l'univers de Marie Bélanger. Euh, ce soir, je vais présenter un numéro d'art oratoire. En fait, j'ai écrit quelques poèmes euh, que je vais lire et interpréter devant le public. Puis, je suis très reconnaissante euh, de pouvoir faire ça ce soir euh, lors de l'intermède parce que euh, moi, j'étudie en cinéma-littérature. Euh, L'écriture et les arts en général, c'est quelque chose qui me passionne. Puis, le fait que le cégep prenne ça aussi à cœur, ça me fait très plaisir. Chez moi, le gazon n'est pas plus vert que chez le voisin. Il s'élève juste plus haut. Plus haut comme une barrière. J'aurais aimé naître au sommet d'un gratte-ciel, attraper les nuages en poussant un grand cri, les yeux pleins de lumière. Mais les lampadaires ne se rendent pas chez moi. Ils s'arrêtent au village. Puis le bout du village, ben c'est le bout de ma vie. Avez-vous déjà entendu parler d'un groupe de musique qui s'est formé à la suite d'une sortie scolaire chez un apiculteur pas très sympathique? Eh bien, c'est aujourd'hui que ça se passe. Chic Piscine est un groupe formé de cinq filles qui étudient ensemble en agriculture bio à l'INAB. Tout a commencé par des sessions de jam et ça a culminé à cégep en spectacle. Et depuis, elles multiplient les prestations et elles sèment des graines musicales. Le plaisir est contagieux quand on les regarde. Voici Chic Piscine. Euh, moi, je m'appelle Sarah Lapierre. Aurélie Dugalobo. Héloïse Collard. Raphaël Charbonneau. il y un Côté. <laughs> euh, puis euh, ce soir, on va faire une chanson de chasse pareille euh, qui s'appelle euh, « La berceuse pour les oiseaux d'hiver euh, ». Moi, c'est une chanson que je connais depuis quand même longtemps puis je la porte vraiment dans mon cœur. Puis on l'a appris pour euh, l'événement, dans le fond, ce soir. Euh, c'est ça. Est-ce que si je peux par parler un peu oui? de oui, ça, de l'impact <laughs> qu'il a <eu> dans nos <laughs> vies dans le monde. Non. <laughs> Dans le monde. Ben, sérieusement, moi, l'impact qu'a eu notre petit groupe qu'on s'est formé euh, banalement parce qu'on étudie tout ensemble en agriculture bio, euh, ça a été le fait d'avoir une routine, de se voir, de jammer, de créer de la musique, qui nous sortait un peu comme de l'école. Puis euh, ça m'a vraiment aidée en fait à traverser après moi, à mon année scolaire. Mm -hmm. Ça a vraiment <laughs> changé ça. Moi aussi. Puis en plus, ça a créé des liens que on n'avait pas à la base. Fait que mm -hmm. moi, ça a été ça. À chaque semaine depuis septembre, à peu près septembre octobre, euh, de base on voulait faire un spectacle tout le monde ensemble. Puis euh, on l'a fait. fait, ça s'est bien passé, <laughs> on était contente, on a fait une composition originale qu'on a toute travaillé dessus. Je pense c'était pr la première fois à tout le monde qu'on faisait genre une chanson originale. Je sais que ça passe vraiment dans tous les sens. Dans le fond, euh, à date, on a fait harmonium, hubbard noir. Euh, chasse pareil. On a travaillé sur euh, des grands succès des années 80, Voyage, voyage. <laughs> et euh, c'est ça. Là, on travaille sur des affaires. On a vraiment, vraiment beaucoup d'idées fait qu'on essaie de, s'y ouais. réduire un peu pour à, arriver à une entente. Mais euh, c'est ça. On aime pas mal se aller dans tous les sens puis on essaie de, d'avoir l'air un peu et puis de surtout d'avoir du fun. Mais c'est ça le plus important pour nous. <applause>